Hallelujah. Bénissons notre Dieu ce matin pour le grand privilège qu'il nous donne d'être en ce lieu pour l'adorer. Il est notre Dieu puissant, il mérite tous les sacrifices. Voilà pourquoi ce matin nous sommes heureux d'être en sa présence. Et nous voulons tout oublier pour nous livrer totalement, entièrement. Le louer, l'adorer et lui demander de nous renouveler. Nous allons nous mettre debout pour entrer dans cette louange merveilleuse, à sa plus grande gloire. Levez nos mains avec soleil là. Amen. Commencez tâche aujourd'hui. Premier bagage au gain pour faire, c'est de louer bon Dieu à tout cœur. Amen. Levez nos mains avec soleil là. Commencez tâche aujourd'hui. Premier bagage. Vive jodi a gon denye jou Employe talon yo bien Nou tout va juge Amen Tout parole ou yo bruit sincère Conscience dont toujours clair. Parce que Dieu ouais, parce que Dieu ouais. L'icône toute pensée. M'a loué au Seigneur. Dans l'éternité même. Que moi, c'est pour lever tout. Amen. Tout songe, va chanter à coup. Alléluia. Bon Dieu, moi v'lé di ou merci. Ou te protège, m'lè p'domine. Le moins d'ami, yo denye foi. Fais lever. Volonté et rempli m'a loué au Seigneur mesure Seigneur, moi je veux conduire. Tout ça pour me penser fait. Pour d'autres forces, moi capable de servir. La gloire. Béni mon Dieu, qu'après nous. Bénis-lui tout le monde, tout partout.
béni petit plus Jésus-Christ. Béni Père, Fils, le Saint-Esprit. Moi, tes filles, béni, mais Jésus t'es sauvé. Péché me démarré, mais Jésus délivré. Les nous hommes vrais, si patient et tranquille, fin. Tout bagage besoin, tout se jouer dans lui. Yo merveilleux sauveur. Jésus, consolé, Élie, encouragez-moi. C'est l'homme merveilleux, sauve-moi. Pardonnez-moi, essuyez-le dans les yeux, moi. Amen. C'est l'homme merveilleux, sauve-moi. L'homme où Jésus vit précieux tous les jours. Était fidèle, grâce de vie douce toujours. Amen. Séché de l'ancien, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Honoré puissance dans Jésus, tous anges doivent face à terre. Amen. Pour deviner couronne puissant et couronner lui Seigneur. Amen. Allègrement à la plus grande gloire de Dieu, nous sommes à la page 28. Honoré puissance nom Jésus, tous anges doivent face à terre. Portez vini couronne puissante. Amen, amen. Choisi dans grâce Israël, mon Dieu, mon Dieu racheté. Grande gloire pour lui, qui bon au ciel et couronné. Seigneur, grande gloire pour lui, qui bon au ciel. Amen, 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 amen. C'est pour tout le monde dans chaque nation. Qui règne sous la terre. Bali l'honneur, comme il marche. Amen. Chantez-y, chantez-y.
fait me content. Ma parée, parce qu'elle te fait content. Christ te fait me content. Christ te fait me content. Ma parée, parce qu'elle te fait content. Alléluia, quand même. Ne jamais laisser le diable vous abattre. Alléluia quand même. Alléluia quand même. Quand les troubles viennent. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Grâce au Seigneur. Et toi mon ami, alléluia, moi pas quitter ça ton découragement. Alléluia, alléluia. J'ai changé, je suis libre. Amen. De nouveau, je suis miné. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé. Et qui marche dans la sainteté. Louange, 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 louange. Qui pourra condamner? Avec sentiment, louange. Louange, louange, louange. Qui pourra condamner? Bénis le soleil, chantez-lui, chantez-lui,
sache bon Dieu, nos pauvres pécheurs perdus, demandez le pardon péché, au nom sauveur Jésus. Écoutez tout le cri que moi, tout suite les fait content, parce que Jésus prend fado et dit des bons vieux chants. Jésus n'est pas fado. Amen. N'est pas plus difficile. Parfois moins fait, moins bouquet. C'est preuve moins pas facile. Mais les ma genouille moi. Seigneur moi, chou qui t'a. Le sage Jésus prend fado. Toujours l'ibomme yon chant. Jésus. On te dit tout espoir, chaille tout le hack tout mon monde, te sauver trois mille fois, le soleil ou voir mille palais, au bout point certainement, le saint Jésus prend fado, l'élite m'en mis au chant, moi pas grave à beauté. Merci, merci, merci. M'a mis toute confiance dans lui. Lui connaît tout chemin. Lui va guider ma chérie. Dans pèlerinage, moi. Et m'a parlé dans le ciel là. Au tout ciel, à tout temps. Comment Jésus prend fado. Et plein que ma cuchon. Jésus n'est pas fado. Moi pas ta ma beauté. Jésus n'est pas fado. Tu payais des péchés. Mais quand t'es senti, tu payais quel ton âme. Parce que Jésus prend fado. Toutes les mains, toutes les mains, toutes les mains. Pas, pas. Confiance dans lui, m'a fait toute confiance dans lui. L'icône côté de Prané, m'a fait confiance dans lui. M'a parlé dans le ciel là, pour tout ce qu'a tout le temps. Merci Seigneur. Toutes les mains, toutes les mains, toutes les mains. Toute confiance dans les bonnes et toutes chemins.
Jésus t'es profano. Oui, Jésus t'es profano. Moi pas capable porter. Jésus t'es profano. Libéré tes péchés. Jésus te prend fardon. Il y bat nos chants, notre chant de victoire. Et ce matin, nous avons de quoi à te louer. Nous avons de quoi à te rendre gloire. Tu nous as sauvés, tu nous as gardés. Tu nous as donné la vie. Et cette vie, nous voulons la dédier à toi. Tu nous as conservés dans le creux de tes mains. Et Seigneur, nous voulons manifester cette reconnaissance par la louange. Seigneur, tu es vivant et notre vie en témoigne. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as été fidèle envers nous. Et c'est un moment pour nous d'exprimer cette fidélité par notre acclamation, par nos louanges. Seigneur, tu es puissant. La terre est ton marchepied et rien ne dérobe à tes yeux. Dieu de bonté et d'amour, nous nous demandons qui sommes-nous pour manifester tant d'amour envers nous. Nous sommes des pécheurs. À chaque instant, nous perdons notre sentiment de reconnaissance envers toi. À chaque instant, nous péchons de façon involontaire. Mais en dépit de tout, tu nous aimes d'un amour éternel. Et nous contemplons cette manifestation d'amour. Le malheur nous a frôlés, mais par ton bras puissant, tu en as tiré. Des incidents majeurs auraient pu nous frapper, car nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont fauchés, ceux-là qui sont tombés. Ceux-là qui sont passés de la vie au trépas au cours de cette semaine, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais Seigneur, tu as pris soin de nous. Ces quelques heures de cette matinée ne suffiraient pas pour danser devant toi, pour gesticuler devant toi comme avait fait le psalmiste David, qui a pu remarquer les différentes grâces que tu as déversé sur lui. Il n'a pas hésité en tant que roi de danser devant toi. Seigneur, nous n'avons que nos lèvres, nous n'avons que nos chants, nous n'avons que nos mains pour dire comment nous sommes reconnaissants envers toi. Et ce matin, encore une fois, daigne jeter un regard de compassion sur ton peuple, sur ton peuple qui souffre, sur ton peuple qui a une soif intense de justice, et que c'est seul toi-même qui peut satisfaire ce besoin qui traverse notre esprit. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'ouvrir les yeux de notre foi. Nous qui un jour avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et depuis lors, il a pris nos fardeaux. Et les difficultés que nous courtisons, que nous coudoyons à travers cette vie ne sont qu'éphémères. Et c'est pour cela que nous te demandons
d'ouvrir notre yeux spirituel afin que nous puissions contempler, nous puissions visualiser les grandes dispositions, les grandes décisions, les jours de joie et de bonheur que tu réserves à ceux-là qui auront gardé la foi. Tu nous as déjà rassurés de ne pas nous effrayer avec cette mauvaise humeur de ce temps, car tout ceci n'est que passager. Nous te demandons de prendre le contrôle de notre vie, de prendre les rênes de ce pays. Nous comptons sur toi, nous espérons en toi. Donne-nous, faites-nous la faveur de pouvoir crier à haute voix que c'est de toi que viennent ce secours et cette grâce que nous attendons. Nous sommes venus avec un cœur avide d'entendre ta parole et nous voulons que tu y prennes place et que tout ce qui s'est dit ce matin sur cette chair contribue à notre édification et à l'édification de tout cela qui de loin assiste à ce moment d'adoration, à ce moment de louange, à ce moment que tu réserves pour parler avec nos cœurs. Et que tout cela se fasse pour la gloire de ton nom, car non seulement tu règnes dans le ciel, mais tu règnes sur la terre et tu as le contrôle de tout ce qui se fait, et c'est ce qui fait notre paix. Nous t'en supplions au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton seul Fils unique, lui par lequel nous héritons la paix, la joie, le réconfort pour le siècle des siècles. Amen. Nous nous tenons en sa présence. Tenons en sa présence. Non, non, tenons en sa présence. Et je sais. Levons nos mains, élevons nos mains, élevons nos mains vers Jésus. Et j'ai senti l'amour. Amen. Et j'ai su dans cet endroit tu es habité. Car nous sommes son temple. Dieu tout puissant est ici et nous
Merci Seigneur. En sa présence, et j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as besoin, lève tes mains vers Jésus, car nous tenons en sa présence cet instant. Nous tenons sa présence, et je sais qu'il y a des anges tout autour de nous, et le vent de mer, et
souffrant, épreuve, moins confiable dans vous et connaît m'assuré l'homme est mauvais comme vivait. Défense, Seigneur, non, faiblesse, moins souple, aide-moi, aide-moi pour pas tomber. Si c'est vous qui qu'aimez à guider, mettez force, Seigneur, nos faiblesses. Si c'est vous qui m'aimez, si c'est vous qui m'aimez, si c'est vous qui m'aimez, bataille cap mené en devant Seigneur. On nous dit chaque monde a marché derrière l'idée de paio, nous-mêmes c'est derrière elle n'a marché. Si c'est où qui kembe m'a privé. Si c'est où qui marché avec m'a privé. Si c'est où qui accompagné m'a privé. Si c'est où qui c'est seul appui m'a campé. Parce que ou c'est bon Dieu fidèle. Ou gen contrôle tout bagay. Et ou ap régné d'éternité en éternité. Adorable Père Céleste, dans le nom de Jésus Christ, nous voici encore Seigneur. Nous voici Seigneur devant ton trône pour te prier, pour t'adorer, pour te chanter, pour te louer. Mais ce matin encore, nous voulons te supplier. Nous voulons, Seigneur, venir avec nos supplications devant ton trône. Nous voulons, Seigneur, adresser ce moment de prière en faveur de notre pays. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui
est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Tu as dit si mon peuple, tu n'as pas dit si le peuple, tu as dit si mon peuple. Mais ce matin, nous sommes ton peuple. Parce que nous sommes les rachetés de Dieu par le sang de Jésus. Nous constituons cette race élue, ce peuple acquis pour ta gloire par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Ta parole est une promesse et toutes tes promesses seront accomplies. Seigneur, tu nous as dit que tu ne nous délaisseras jamais. Et tu ne nous abandonneras jamais. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, notre Seigneur est notre aide. Nous ne craindrons rien. Et ce matin, c'est sur la base de ces promesses que nous sommes venus devant toi avec notre pays. Ce que nous sommes en train de regarder, ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train d'entendre concernant ce pays, veulent nous effrayer. Mais nous voulons, Seigneur, nous confier en toi. Et nous nous confions en toi. Parce que nous croyons fermement dans cette parole que tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est toi qui l'as dit. Nous savons, ô Dieu, que par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous t'aimons et nous connaissons ton nom. Et c'est pourquoi nous croyons que ce matin, ce que nous faisons, Seigneur, comme prière en faveur d'Haïti, cette prière sera exaucée parce que ta parole est certaine et véritable. Ta parole est certaine et véritable. Seigneur, nous n'avons pas de mots pour exprimer ce que nous ressentissons. Nous n'avons pas d'expression. Nous n'avons pas de parole, Seigneur. Mais tu connais nos cœurs, car tu sondes les cœurs et les reins. Voici le pays. Voici cette nation. Voici le peuple. Voici les dirigeants. Voici ceux qui s'opposent, voici ceux qui sont au pouvoir, et voici cette nation, Seigneur. Merci pour ton peuple, ton église. Merci pour les rachetés. Merci pour tes élus. Merci parce que notre espérance est en toi. Et nous croyons que cette espérance n'est pas vaine. Nous verrons ta gloire briller sur Haïti. Nous verrons ta gloire briller sur ce pays. Nous verrons ta gloire briller sur cette nation. Parce que c'est toi qui règnes et c'est toi qui domines. C'est toi qui règnes et c'est toi qui domines. Nous t'en prions et nous te remercions. Par Jésus-Christ, notre divin sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Découragement, chagrin la vie, souvent qu'on fait, nous pas capables de briller. Tristesse dans le cœur, à clonanger, qu'on fait nous paix. Toute essence lavée, et pour danser, pas effort, nous pas faire. Mais à force pas nous, on pas trop capable changer. Amen. Merci Seigneur. Bien de moments, non blasphémés,
l'aide pas comprendre, on va bien côté les contrôler, les emparer, nous bonnes pensées, tout ça n'a pas doué penser. Oh. Mais si bon Dieu, pas tout gagner, compassion. Qui côté taillé, en bas griffe Satan. Merci Seigneur, merci, merci. Sans souffrance, merci pour soupir cet esprit, Seigneur. Merci pour soupir cet esprit, Seigneur. L'esprit par nous descontrôlé. Et de moments blasphémé, l'aide pas comprendre, toi bien côté, prier, les contrôler, les emparer, nous prendre penser, tout ça n'est pas doué penser. Si bon Dieu m'a dit gagné compassion, qui côté taillé, en bas qui Satan, merci pour Jésus. Espérance la vie, dans le monde, et sans souffrance. Ainsi, vous soupirez cet esprit, au Seigneur, l'esprit panneau, il est contrôlé. Merci pour soupir cet esprit, oh Seigneur, l'esprit panneau des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à Mahalaleel et nous invitons ceux et celles qui nous visitent pour la première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Amis visiteurs, Mahalaleel.
vous souhaitons une fois de plus la bienvenue parmi nous. Et nous vous invitons à nous visiter toutes les fois que vous en sentirez le besoin. Si vous avez fait déjà choix de Christ, nous vous invitons à persévérer dans ce choix. Si ce n'est pas encore le cas, aujourd'hui, ne partez pas sans votre salut. Nous vous souhaitons encore la bienvenue. Merci. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins, de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Et parallèlement, les monitrices d'Herbma reçoivent les petits-enfants. Tous les mardis, de 5h30 à 7h30, le pasteur Kelly Louis Saint reçoit les bien-aimés qui le désirent. Et le mercredi, de 5h à 7h, nous avons notre deuxième culte, baptisé Intimité, présidé par le pasteur Jean-Mathieu Chérigny. Le vendredi, à compter de 5h, nous avons nos vendredis de combat spirituel. Et le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute à 6h30 par une réunion de prière dirigée par le pasteur André Guste, qui termine à 8h30. De 9h à midi, Astim offre un encadrement socio-spirituel à nos enfants. Et de 10h à 1h, Astimex construit les adolescents. La grande chorale de Mahalaleel tient sa séance de répétition de 3h à 5h. AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se rencontre de 4h30 à 6h30. El Shama, le groupe d'hommes de l'église, se réunit de 5h à 7h. Et enfin, la SOGEM, qui est la société des jeunes de Mahalaleel, se rencontre de 5h à 7h. Les papillons en prière visitent les bien-aimés qui le désirent tous les mardis et tous les jeudis. Et les demandes de prière sont reçues tous les dimanches après le culte. Nos versets de référence en rapport aux dîmes, aux dons et aux offrandes se trouvent aujourd'hui dans le livre des Nombres, Nombre 18, versets 28 à 30. Nombre 18, versets 28 à 30. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites, comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous êtes invités à faire le déplacement.
courbons nos fronts pour la prière. Adorable Père Céleste, nous te remercions de nous avoir permis de participer à l'avancement de ton œuvre sur la terre. Nous te demandons de bénir les mains qui ont contribué et les cœurs qui veulent contribuer mais ne peuvent pas encore. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Notre lecture alternative se trouve aujourd'hui dans Actes. Actes chapitre 26, versets 1 à 32. Actes chapitre 26, versets 1 à 32. Vous y êtes? Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Pour moi, j'avais cru d'abord agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. «
Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eut pas appelé à César. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous laisse avec le gérant responsable pour les annonces spéciales. Mahalaliel. J'avais oublié les fêtants la semaine dernière. Par prudence, je voudrais les appeler maintenant. Parce que je risque d'oublier, il y a tellement de choses à dire dans ce pays. Donc venez donc, les fêtants. Nous allons passer un moment avec vous, un moment béni. Un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Encore. Encore, mais avec plus de sentiments, s'il vous plaît. C'est le seul jour de l'année. On prend le temps de rêver, de bien vivre et de s'aimer. Ça se fait, ça se fait, ça se fait. Oh. Encore, sentiment. Les mains, les mains, les mains. C'est le seul de l'année qu'on prend le temps de chanter, qu'on prend le temps de rêver, de bien vivre et de s'aimer. Merci pour ce bouquet d'anniversaire que tu veux offrir ce matin à nos frères et sœurs, les fêtants du mois d'octobre. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous-mêmes, en tant qu'humains, faire des erreurs, oublier. Et toi, tu ne peux pas oublier. Tu nous vois, tu nous regardes. Tes yeux sont toujours sur nous. Tu es ce Dieu qui bénit éternellement.
Ce matin, nos frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire au cours de ce mois, comptent sur toi. Ils ont les yeux sur toi, Seigneur. Ils attendent tes interventions en leur faveur. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir leur marche, leur sortie, leur entrée. Car nous vivons des heures sombres, Seigneur. Quand on sort, c'est quand on est rentré à la maison que toute la famille se sent en paix. Mais Seigneur Dieu, chaque matin, nous faisons cette prière. On sort avec toi et on veut toujours rentrer avec toi. Chaque soir, on fait cette prière. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce matin, Seigneur Dieu, c'est la prière de nous tous. C'est ce que nous réclamons, Père Saint, pour nos frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire au cours de ce mois. Nous vivons dans un pays, Père Éternel Dieu, où tout paraît sombre. Même les projets, Père Éternel Dieu, sont très hypothétiques. Nous ne cessons pas de planifier malgré tout, parce que, Seigneur Dieu, quand nous planifions, Seigneur Dieu, c'est parce que nous avons en tête. Nous pensons qu'il va se réaliser. Mais c'est ton plan, Père Éternel Dieu, pour chacun de nous. Ce matin, Père Éternel Dieu, ils ont chacun leur projet. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de parcourir, Seigneur Dieu, leurs pensées pour voir ce qu'il y a dedans. Et toi, Seigneur Dieu, avec ta main puissante, tu vas agir en leur faveur. Et tu vas montrer au monde entier que personne, que lorsque tu décides, toi, Père Éternel Dieu, personne ne peut empêcher ce que tu veux réaliser. Ce matin, Père Éternel Dieu, nous réclamons un témoignage pour chacun d'eux. Au cours de ce mois, Seigneur Dieu, qui est leur mois, ô Dieu d'amour, nous te demandons, Seigneur Dieu, une attention plus soutenue, Père Éternel Dieu. Et ô Dieu d'amour, nous réclamons, Seigneur, des bénédictions en abondance sur nos frères, sur nos sœurs, Père Éternel Dieu, et que leurs projets soient réalisés, Seigneur Dieu, selon que tu as planifié pour eux. Nous comptons sur toi. Bénis-nous, Père Saint, et remplis de joie, Père Éternel Dieu, ses frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous te prions que cette joie soit pour eux une joie abondante, Père Éternel Dieu, et que cette joie les accompagne chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Do majeur. Quand je suis faible et quand s'inquiète mon âme, alléluia. Silence tu m'élèves, je t'aime,
je suis fort. Tu m'élèves. Loin de toi, n'existe point d'assurance. Et tout esprit, certitude, mais ça t'est bien. Tu m'élèves. Tu m'élèves. Je suis fort. Oui, tu m'élèves plus haut que mes espoirs. Merci Seigneur. Vous pensez que nous avons le droit de planifier pour demain? Alors la croisade. Seigneur est vivant et Mahalaleel est vivante. Mahalaleel. Mahalaleel. C'est beaucoup de monde qui prend l'entrée dans le moment de croisade, non ça? Pas de louange à l'Éternel. Piti, non, dans la croisade là. C'est pour l'Éternel tant de, oui. Louange que nous avons offert lui. Mahalaleel. Mahalaleel. Le Seigneur est vivant. Amen. Nous allons lire ensemble dans les psaumes notre thème de référence pour cette année. Le psaume 71, verset 20. Nous allons lire ensemble le psaume 71, le verset 20. Ensemble, tu nous as fait éprouver bien des détresses et de malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter les abîmes de la terre. C'est seulement l'Éternel qui a fait ça. Seulement l'Éternel. Vous poussez pour faire tomber, mais l'Éternel qui est parce que les fidèles. Amen. Notre thème de cette année, fléchis, mais ne cède pas. Fléchis, mais ne cède pas. Parce que ça qui veille maintenant, système qui derrière maintenant, même si on bite, même pas tomber, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, les préparations sont en cours. Et les groupes sont déjà au courant de leur invitation pour la croisade de cette année. Et les prédicateurs aussi, ils sont déjà au courant et les préparations vont de bon train. Du 30 au 3 novembre, ce sera une merveille à Mahalaleel. Pendant l'Otio a manifesté contre président, contre système Payoa, nous-mêmes n'avons vu manifester devant l'Éternel pour reconnaissance nous envers lui. Amen. Pas oublier, inviter des amis, des voisins, pour être capable de venir ensemble avec vous. Pas inquiéter, quelle que soit la situation, le rempart est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Mahalaleel.
Je vous demande de réaliser la joie de notre frère Jean-Marc qui vient de vous communiquer avec une chaleur dont il n'a pas reçu la réponse appropriée. Vous êtes une assemblée froide. Ne vous mettez pas en tête que je ne comprends pas vos découragements. Mais je suis en train de vous dire que Dieu ne récompense pas les découragements. Les découragements sont l'œuvre du malin. Mahalaleel particulièrement a été averti de toutes les tribulations que ce pays doit traverser au cours de 2019. Qui est-ce qui peut dire qu'il ne savait pas? Tous les membres de l'Église, depuis le 31 décembre 2018, étaient au courant de ce qui allait arriver. Je me rappelle encore quand le Seigneur disait, est-ce que je peux cacher à Mahalaleel ce que je vais faire comme il avait dit pour Abraham, son ami? Vous saviez. Mais connaître, c'est une affaire, mais vivre la situation, c'est une autre affaire. Voilà pourquoi je comprends. Mais je vous rappelle que la joie du Seigneur est votre force. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que notre sœur Catherine Mascari-Tellius, la femme de Jean-Marc, est très malade. Vous le voyez? Ferme à la barre comme un serviteur digne du nom. Mais sa femme, depuis 9 jours, souffre sérieusement. Et les médecins haïtiens ne peuvent pas intervenir. Nous n'avons pas le spécialiste qui peut soigner cette femme. On est en train de faire des démarches pour la faire déplacer du pays. Mais malgré tout, il se tient debout. Les reins sains, comme un serviteur digne de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu d'aller maintenant toucher Catherine, sa femme. Car une touchée du Seigneur fait toute la différence. Nous sommes en mesure aussi de vous dire ce matin que notre jeune frère Clinderson Guerrier, qui travaille dans l'équipe multimédia, a perdu son papa cette semaine. Mais malgré le cadavre du papa est à la morgue aux États-Unis, Clinderson, mets-toi debout que tout le monde te voit. Il est avec nous là, dans l'équipe. Ce matin, il travaille tandis que papa est à la morgue. Voilà le courage que nous voulons témoigner pour Dieu, mes bien-aimés. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu des circonstances. Ce n'est pas parce qu'on est dans la vallée que Dieu n'est pas Dieu. Nous devons apprendre à danser même quand ça va mal. Parce que sur la montagne, quand le soleil brille, il est Dieu. Mais dans la vallée, quand il fait sombre, il est notre Dieu. Mahalaleel a besoin de le comprendre. Il y a beaucoup de découragement parce qu'il y a beaucoup qui sont faibles, qui ne comprennent pas. Il y en a qui sont découragés avec le pays parce qu'ils ne comprennent pas la lutte que mène ce pays depuis 200 ans. La lutte vers son vrai destin, vers sa vraie destinée, parce que ce pays a été colonisé à nouveau depuis 1806. Et nous avons besoin de cette nouvelle liberté. Nous avons besoin de cette nouvelle indépendance. Si vous voyez que Haïti est toujours saccadé, c'est parce que ce pays se cherche. Ne laissez pas les ignorants vous dire que vous avez le pays le plus stupide du monde. Ce n'est pas vrai. Nous avons le pays où les gens ne se laissent pas plier. Et nous refusons de nous plier devant le colon, devant le post-colon, devant l'impérialisme. Nous voulons vivre debout comme un pays libre et indépendant. C'est ce que Haïti cherche. C'est ce que cette bourgeoisie apatride refuse de céder. C'est ce que les politiciens corrompus n'arrive pas encore à comprendre. Mais il y a un peuple social qui doit continuer à lutter jusqu'à l'indépendance de ce pays. Les différences flagrantes, l'injustice caractérisée, ça doit finir dans ce pays.
Nous devons avoir un pays où tout le monde peut aller à l'école, où tout le monde peut manger, où tout le monde peut payer un espace où dormir, où tout le monde peut avoir droit à la santé. Et moi, je me permets de vous dire ce matin, par le Saint-Esprit, que Haïti restera debout jusqu'à ce que nous ayons un pays normal. Il y a des opportunistes qui veulent récupérer le mouvement. Dans la rue, il y en a qui sont sortis pour voler, il y en a qui sont sortis pour braquer, il y en a qui sont sortis parce que c'est leur travail, ils sont payés, il y en a qui sont sortis parce qu'ils n'ont rien à faire, c'est une ambiance. Mais vous savez qu'il y a le peuple qui lutte réellement aussi. Et nous, à Mahalaleel, nous faisons partie de ce peuple qui lutte. Parce que nous croyons avec Victor Hugo que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Devant les déboires de ce pays, je me suis mis cette semaine à reviser Thomas Jefferson. S'il y a des avocats, des intellectuels, des sociologues, des gens très avertis dans l'Église, ils peuvent voir exactement de quoi je parle quand je parle de Thomas Jefferson. Et j'ai étudié particulièrement son ouvrage intitulé « L'État et la liberté ». La liberté et l'État. Et j'ai compris que depuis 400 ans, si les dirigeants politiques avaient l'esprit et le tempérament qu'il faut pour diriger l'État, on n'aurait pas ce monde. On n'aurait pas ce monde. Et si les peuples ne s'amusaient pas à répéter leurs mêmes erreurs, on n'aurait pas ce monde. Et en tant que peuple ce matin, moi je déclare que ce qui se passe en Haïti, c'est mon combat. C'est mon combat parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas manger, ça me dérange. C'est mon combat parce que chaque fois qu'il y a un enfant qui ne peut pas aller à l'école, ça me dérange. C'est mon combat parce que chaque fois que quelqu'un meurt parce qu'il ne peut pas se dialyser, c'est mon combat. Parce que chaque fois qu'il y a une femme qui meurt parce qu'il n'y a pas un hôpital, chaque fois qu'il y a des innocents qui tombent parce qu'il n'y a pas de justice, je sens que c'est mon combat. Parce que la souffrance de mes semblables me diminue. Il y a trop de discrimination dans ce pays. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger. Vous savez qu'il y a des personnes qui hier étaient dans une manifestation qui ont mangé, ils ont volé, ils ont gagné, ils ont été payés. Mais vous savez que ce matin, ils ne peuvent pas manger. Nous ne devons pas fermer les yeux sur les réalités de ce pays. Nous deviendrons plus coupables que les politiciens. Nous sommes l'État. Et en tant que tel, nous devons apprendre à voir clair et à décider de mener le combat pour conduire ce pays vers sa destinée. Un pays où tout le monde est libre, où la justice est pour tous, que nous avons tous le droit de boire, de manger, de bien dormir, d'éduquer nos enfants, d'avoir des loisirs. Nous voulons un autre pays où les services de l'État sont correctement organisés. Nous ne voulons pas des gens au nom vilipendé à la tête de notre nation. Nous voulons que le prestige revienne en Haïti. C'est pour ça que nous nous battons. Et nous déclarons qu'en tant que peuple social, nous sommes dans cette lutte. Pas avec les corrompus, pas avec les voleurs, les criminels et les assassins, mais avec ce peuple social qui veut changer ce pays pour qu'il y ait un seul soleil pour tous. C'est ce que nous cherchons. Je ne voulais pas parler ce matin. Laissez-moi vous rappeler de préférence que samedi le 26 octobre, pour la première fois depuis l'existence de l'Église, nous sommes tous attendus. Je n'ai pas dit vous, non.
J'ai dit, nous sommes tous attendus pour passer un bon moment de réflexion dans une réunion d'affaires. Nous voulons proposer à l'Assemblée une autre façon de vivre. Nous voulons étudier ensemble comment développer un autre comportement pour que les plus faibles puissent avoir comme ceux-là qui peuvent. Comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 8. Les superflus de certains seront disponibles pour remplir le vide des autres. Et comme ça, Mahalaleel sera totalement sur un pied d'égalité, comme c'était l'église de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de venir dans cette assemblée. Vous n'avez pas besoin d'abandonner Mahalaleel non plus. On n'est pas devenu des communistes. On ne va pas vous demander d'apporter votre argent pour distribuer à l'assemblée. Parce que nous allons faire... Je sais qu'on est communiste quand on n'a pas travaillé encore, mais dès qu'on a touché le troisième mois, on n'est plus communiste. Je sais comment on a été grandi dans le chacun pour soi, avec cette mascarade de Dieu pour tous, pour faire de nous des égoïstes. Mais cela a été démasqué. Et le 26 octobre, nous allons penser ensemble sur une nouvelle orientation de comportement, sur une nouvelle attitude, comme avait dit Kétia. Nous avons besoin d'avoir une autre attitude. En tant que croyants, nous pouvons faire le poids dans la balance et nous pouvons leur faire sentir que nous existons. La lutte en Haïti, c'est une question de marché. Si vous changez votre comportement, le marché va le sentir. Et c'est ça que nous voulons faire. C'est notre façon à nous de participer activement dans cette bataille pour la destinée de notre pays. Samedi 26 octobre, ne ratez pas l'occasion. C'est la première fois que nous allons voir ça à Mahalaleel. Et je suis sûr que 10 ans plus tard, le monde entier va voir la différence. Qu'est-ce que je dis? Le monde entier va voir la différence. Dieu sait bénir les commencements, mes bien-aimés. Il se fait tard, je dois vous laisser. Je vous ai tout dit là. Quelle heure? 5 heures? C'est pas 5 heures de l'après-midi? Eh bien, c'est ça, j'ai fini, oui. Je n'avais rien d'autre à vous dire que d'écouter maintenant le message de la parole de Dieu. Il y a une autre chose? 4 heures? 4 heures? Mais il faut venir, oui. Qui est-ce qui est pour 4 heures? Mes amis, il n'y a pas un minale, il y a tout à lever, mais oui. En tout cas, si vous parlez, c'est au cap pétu. Le refrain seulement. Il fait sombre, Seigneur. Kelly, je n'ai pas peur, je me confie en toi. Merci, Seigneur. Laissez-moi entendre les femmes seulement chanter ça. Allez pour moi. 3, 4. Merci Seigneur. Laissez-moi entendre les hommes seulement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Allez-y. Sans musique, sans musique. Je vais demander aux hommes en haut de ne pas chanter. Parce qu'ils sont maigres en bas. Allez, monsieur, là, les hommes seulement. Badade, 3, 4. J'ai entendu la voix, mais je n'ai pas entendu la puissance. La puissance que Dieu donne à l'homme pour dominer. Je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu seulement des voix de garçons. Mais je n'ai pas entendu la puissance de l'homme. Non, ils doivent chanter comme des hommes.
Le pasteur de l'église est un baryton. Allez, allez, monsieur, sauvez l'honneur, s'il vous plaît, ce matin. Allez, toi et quatre. Très bien. C'est pour ça que Dieu vous a créé. Pour sa gloire. J'aime entendre cette solennité masculine. Une dernière fois, allez avec moi. Trois et quatre. Très bien. Yes. Wow. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Merci. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Mais bien aimé, le prestige de l'homme n'est pas dans cette distinction extérieure. Il y a une spontanéité masculine qui fait plaisir au cœur de Dieu. Ne laissez pas la société vous rendre hypocrite ni aristocrate. David a dansé devant l'Éternel. Aucune différence. Et je demande à toute l'assemblée debout de chanter seulement le refrain sans musique. Il fait sombre, Seigneur, avec sentiment. Toi et quatre. Toi le Dieu de ma foi. Amen. Il fait sombre, Seigneur. Il fait sombre, Seigneur. Mais je n'ai pas peur, je confie en toi. Par le Dieu de ma foi. Par le Dieu de ma foi. Amen. Montre-moi ta voix. Mahalaleel. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Et nous allons lire ensemble du verset 2 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 37, verset 2 au verset 11. Je voudrais que cette lecture soit bien exhaustive. Je sais que vous avez lu à plusieurs reprises ce passage déjà. C'est un passage très connu. Mais c'est là que Dieu nous amène ce matin à méditer sa parole. Genèse chapitre 37, du verset 2 au verset 11. Nous allons commencer à partir de Joseph. Mahalaleel. Allons-y. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés à des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout
et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Mais bien aimé, nous avons entendu beaucoup de réflexions, de messages qui nous ont laissé comprendre que dans la vie de l'enfant de Dieu, en dépit des difficultés, en dépit des plans des hommes, ce dessein s'accomplira. Parce que Dieu est souverain, il est fidèle, il est puissant. Mais ce matin, ce n'est pas le sujet de notre réflexion. Nous sommes venus vous dire de la part de Dieu que le manque de sagesse et le manque de maturité peut prolonger le chemin du destin de Dieu pour nous. Notre manque de maturité et notre manque de sagesse peut prolonger le chemin du destin de Dieu pour nous. Nous avons tendance à penser que toutes les réalités de nos vies viennent du dessein de Dieu et ne peuvent être évitées. Ce n'est pas le cas. Dans notre superficialité, souvent nous faisons référence au hasard en ce qui concerne les choses qui nous arrivent, les événements qui se défilent dans nos vies, les agréables comme les désagréables. Humainement, bien sûr, le hasard existe. D'ailleurs, le mot même est utilisé dans les Saintes Écritures à 5 reprises dans l'Ancien Testament et une fois dans le Nouveau Testament. Le hasard existe, mais le hasard est du domaine de l'homme, puisque notre Dieu, il connaît la fin avant même le commencement, donc il sait tout ce qui va se passer. Rien pour Dieu n'est le fruit du hasard. Cependant, analyser en profondeur et remonter notre vécu, et même remonter le vécu de nos ascendants peut nous laisser comprendre beaucoup de choses. Ces attitudes peuvent nous laisser comprendre beaucoup de choses, analyser en profondeur et remonter non seulement notre vécu, mais le vécu de nos ascendants, ceux qui nous ont donné naissance, ceux qui nous ont engendrés. À partir de la méditation de ce matin, vous aurez peut-être l'opportunité de questionner quelques attitudes passées, non seulement de votre part, mais aussi de vos parents qui pourraient bien vous expliquer les tourmentes de votre présent. Et pourquoi pas, vous aurez aussi peut-être l'opportunité d'ajuster quelques comportements de votre vie aujourd'hui, d'ajuster quelques attitudes qui pourraient vous éviter des circonstances non souhaitées pour votre lendemain. Cet exercice n'est pas très facile parce que dans notre éducation, nous avons appris à prendre les autres comme responsables de tout ce qui nous arrive. C'est comme si nous étions parfaits, nous étions le centre des choses et tout ce qui nous arrive vient de l'extérieur. Cette introspection qui a bien sûr échoué en psychologie est difficile à faire tout seul. Et c'est la raison pour laquelle une analyse s'avère nécessaire, pour ne pas dire des analyses s'avèrent nécessaires pour comprendre les réalités de nos vies.
Nous avons souvent tendance à prier, 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 à n'en plus finir pour des choses, mais nous refusons d'agir. Dieu nous dit dans sa parole, veillez et priez. Et ce que nous faisons toujours remarquer, c'est qu'il a dit veillez d'abord, ensuite priez. Cela veut dire que nous avons un effort à faire et la prière arrose notre effort de la grâce de Dieu. Nous allons, avant même de rentrer dans les attitudes qui ont détruit, ou du moins qui ont fracassé cette famille, la famille de Jacob, nous devons comprendre deux dimensions de la volonté de Dieu. La volonté absolue de Dieu et sa volonté permissive. La volonté absolue de Dieu et sa volonté permissive. Nous allons voir dans Genèse au chapitre 25, les versets 21 à 23, où la prophétie avait déjà été prononcée. Genèse 25, les versets 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti par le plus petit. » Dieu l'avait déjà prononcé. Depuis le ventre, le conflit avait déjà commencé et même dans le sein de leur mère, ses enfants, Jacob et Ésaü, se trouvaient en train de lutter. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Dieu l'a prononcé au verset 23. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Cependant, à quel endroit de la Bible nous avons vu que Joseph, qui est né de Jacob, devait traverser toutes ces péripéties? La prophétie a été prononcée par Dieu, effectivement, mais l'attitude de l'homme devant la prophétie est d'une importance capitale. Dans la volonté absolue de Dieu, ça va quand même s'accomplir, quels que soient les plans des hommes, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Mais dans sa volonté permissive, vous pouvez beaucoup souffrir, mais à partir de votre attitude, à partir de votre mauvais comportement. Il était donc entendu que l'un dominerait sur l'autre, selon la prophétie de Dieu. Mais nous constatons la naissance de favoritisme. Toujours dans Genèse 25, nous allons lire cette fois les versets 25 à 28 pour voir là où ce favoritisme destructeur a pris naissance dans cette famille. Genèse 25, les versets 25 à 28, nous lisons. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent, Ésaü devient un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Verset 28, Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Eh bien aimé, où est-ce que vous avez déjà entendu ça? Une famille a deux fils, l'un est aimé par le père et l'autre aimé par la mère. Est-ce normal? Mais répondez, est-ce normal? Je sais bien que dans certaines familles, ces circonstances se produisent. Avoir une préférence. Isaac aimait Ésaü
Pourquoi? Et là encore, cet amour était intéressé parce qu'il mangeait du gibier quand Ésaü revenait de la chasse. Et la mère, Rebecca, aimait Jacob. C'est là que nous avons vu naître le favoritisme destructeur qui a eu des répercussions sur la génération qui allait suivre. Et cette faiblesse de l'éducation n'est pas sortie de nulle part, mes bien-aimés. Nous aurions pu remonter encore pour comprendre comment cette généalogie s'est développée. Le mari aimait une des femmes plus que l'autre parce que l'autre était stérile. Dieu a dû donner des enfants à la femme stérile pour qu'elle soit aimée par son mari. Et de là a pris naissance cette concurrence interminable. À chaque fois, une femme devait donner un enfant à un mari. C'est ainsi que s'est développée cette généalogie, mes bien-aimés. Nous devons veiller sur nos vies. Et dans une parenthèse, je dirais que quand nous devons fonder une famille, nous devons aussi chercher à connaître les lignées familiales, mes bien-aimés, pour savoir avec qui on a affaire, quelle attitude attendre avec quelqu'un que l'on va épouser. L'ambiance dans laquelle on grandit nous pénètre, mes bien-aimés, et fait partie de nous à un certain moment de la durée. Toutes les choses qu'on a intériorisées, soit bien, soit mal, ressurgissent un jour ou l'autre. Et il faut beaucoup de recul pour nous en rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle, dans le psaume 139, le psalmiste a terminé ce passage en disant « Éternel, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que en nous, nous n'avons pas assez de jugement, assez de sagesse pour connaître la bonne voie, puisque cela se trouve à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas nous trouver sur le balcon et nous regarder passer en bas. Il nous faut l'aide de Dieu pour découvrir quoi changer en nous, mes bien-aimés. Ainsi, Jacob ayant grandi dans cette famille où le père aimait son frère et sa maman l'aimait, a gardé cette même caractéristique. Ainsi, le préféré de sa mère a préféré son dernier fils à ses frères. Vous voyez d'où l'attitude est venue, mes bien-aimés. Jacob a préparé Joseph, a préféré Joseph, et il a mal géré son sentiment. Il a mal géré son sentiment. Je vous dis, cela peut arriver à un parent d'avoir un penchant pour un enfant. Et ceci pour plusieurs raisons. Vous pouvez vous pencher sur un enfant naturellement, quand du côté de la mère par exemple, quand la grossesse a été difficile, la mère est attachée à son enfant. Un enfant inespéré, après la stérilité, les parents s'attachent à cet enfant. Un enfant qu'on a en âge avancé, c'est un enfant qui sera choyé. Le dernier né de toutes les familles est aimé, mais bien aimé. Mais il faut savoir gérer ses sentiments. Genèse 37 nous dit que Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et c'était son dernier enfant. Il l'a préféré à ses frères. Genèse 37, le verset 3. Israël, alors son nom a été changé, le nom de Jacob est devenu Israël. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Personne ne vous empêche d'aimer votre enfant, mais là commence l'erreur. Toujours au verset 3, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Une mauvaise attitude du père de Joseph, Jacob. Non seulement il l'a préféré, mais il a laissé sortir son sentiment. Mais bien aimé, les enfants d'une même famille doivent bénéficier non seulement des mêmes sentiments des parents, les enfants d'une même famille doivent avoir les mêmes traitements,
Les enfants d'une même famille doivent avoir les mêmes avantages, mes bien-aimés. À moins, bien sûr, qu'il s'agisse d'un redressement spécial, parce que nous pouvons avoir un enfant à problème. Un enfant d'une famille peut avoir vécu une circonstance difficile et avoir besoin de plus d'attention. Là, on va comprendre ça, mais que cela soit clair aussi avec les autres. Qu'ils ne sentent pas qu'ils reçoivent plus de sentiments par rapport, moins de sentiments par rapport à l'autre. Cela peut arriver. Dans le cas de Joseph, ce n'était pas une circonstance spéciale, un cas spécial à redresser, mais il avait gâté l'enfant par rapport à l'autre, aux autres, mes bien-aimés. Non seulement il l'a fait, la tunique a une signification bien précise, mes bien-aimés. La tunique de plusieurs couleurs a une signification bien précise. Une tunique est symbole d'autorité. Une tunique est symbole d'autorité. Vous pouvez le voir dans, nous n'allons pas prendre le temps de lire, dans Ésaïe 22-21, vous pourrez lire après. Symbole d'autorité. Et la tunique aussi, c'est un symbole de protection. Non seulement il a montré très clairement aux frères de Joseph qu'il voulait le protéger, et il a montré aussi qu'il lui a donné l'autorité sur ses frères, en lui faisant cette tunique de plusieurs couleurs. Mais bien aimé, et une autre chose que nous voyons, c'est que le père de Joseph est celui qu'il a grandi en rapporteur. Dans les familles, fort souvent dans les familles nombreuses, il y a toujours un enfant qui est choyé par les parents. Et pourquoi il est choyé par les parents? Parce qu'il ramène, les mauvais actes des autres. Mais bien aimé, grandir des enfants n'est pas chose facile. Grandir des enfants n'est pas chose facile. Quand tu as un enfant qui vient te dire, ah, et les autres ont fait du désordre, qui est-ce qui a cassé le pot? Personne ne sait. Et puis il y a un qui dit, et il se met à part avec les parents, il dit, j'ai vu, oui, quand ils ont cassé le pot. Là, on a tendance à se dire, ah, celui-là, il est sincère. Mais si c'est lui qui avait cassé le pot, il aurait dit ça. C'est parce qu'il s'agit des autres. Et il cherche aussi l'approbation des parents. Et ce défaut ne prend pas naissance dans quelqu'un sans un antécédent. Joseph est devenu comme ça à cause de son père, qu'il a grandi en rapporteur. Et le verset 14 de Genèse 37 me dit, « Israël lui dit, en parlant à Joseph, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » C'est le père, oui, qui donne ce rôle à son jeune enfant par rapport à ceux qui sont plus avancés en âge. Et les enfants ne sont pas toujours obéissants, mais bien aimés. Les enfants ne font pas toujours ce qui est bien. Alors, vous demandez au plus petit de ramener. Alors, il y a une façon subtile de faire les choses. Jacob pourrait bien dire qu'il était de bonne foi, parce que ce qu'il a demandé de faire, c'est voir si les frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Ils sont sortis faire quoi? Ils sont sortis paître le troupeau. Cela veut dire que le troupeau est en état. Si vous êtes sûr d'avoir des enfants de bonne foi, s'ils se portent bien, ils étaient avec toi ce matin, une maladie subite. Jacob l'a fait subtilement. Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, ce qu'ils savaient déjà. Et si le troupeau était en bon état, et tu m'en rapporteras, des nouvelles. Il a gâté l'enfant. Et qu'est-ce que Proverbe, le verset 16, je vais lire ces passages. Proverbe 16, 28, je crois qu'il parle du rapporteur. Il dit, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Vous imaginez le résultat de cette attitude?
diviser les enfants avec leur père, diviser les enfants avec leurs parents. Proverbe 26, le verset 20, me dira ceci. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle cesse. Cela veut dire que l'attitude de Joseph que lui avait inculqué Jacob était toujours là pour attiser la haine et le conflit dans cette famille. Mais bien aimé, un père qui manquait de sagesse, un enfant immature. Un père qui manquait de sagesse, un enfant immature, a ébranlé toute une famille. Et Joseph, de son côté, aurait pu prendre les choses à droite, je dirais. Mais il a eu aussi sa mauvaise attitude parce que selon ce que la parole nous dit, Joseph rapportait les mauvais propos. C'est comme si les autres fils n'avaient jamais rien fait de bon. Il rapportait les mauvais propos. Et Joseph, verset 2 de Genèse 37, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. C'est là, lui aussi, sa faute. Il n'était pas revenu pour dire que le troupeau va bien. Mes frères ont conduit les troupeaux vers des cours d'eau où l'eau n'était pas sale, où c'était propre, où l'herbe était verte. Mais il rapportait à son père les mauvais propos. Alors, moi, je n'étais pas là, je ne sais pas s'il y en avait de bons. Mais les frères de Joseph étaient-ils tous mauvais de façon absolue? Ils rapportaient, la Bible aurait dit aussi, ils rapportaient les propos et non les mauvais propos. S'ils rapportaient les mauvais, c'est qu'il y en avait aussi de bons, sous-entendu. Mais lui, il rapportait les mauvais propos. Et ainsi, il s'est attiré, en plus de l'attitude de son père, la haine de ses frères. Et l'une des choses importantes que nous avons retenues aussi dans ce passage, c'est l'immaturité de ce jeune homme, Joseph, qui lui a conduit à être indiscret. L'immaturité l'a conduit à être indiscret. Verset 5, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Où est-ce qu'il avait reçu cet ordre de raconter le songe qu'il a eu? Dieu peut parler à tout le monde, mes bien-aimés. S'il vous prend à part pour vous dire quelque chose, n'ayez pas la mauvaise... Alors, quelque chose qui vous concerne, n'ayez pas la mauvaise attitude d'aller publier, mes bien-aimés. Dieu peut parler à tout le monde. Quand il parlait de son fils, n'a-t-il pas fait entendre sa voix du haut du ciel? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais figurez-vous, il n'a pas fait de jaloux, il n'avait un seul fils. Mais Jacob avait plusieurs. Dieu a fait cette déclaration en public, mais il avait aussi un seul fils. Notion à retenir, mes bien-aimés. L'indiscrétion de Joseph. Il eut un songe et alla le raconter à ses frères qui le haïrent davantage. Et après avoir raconté, mes bien-aimés, le verset 8 me dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. La haine est visible, mes bien-aimés, même avant même de passer à l'action. Parce que quand on regarde les yeux de quelqu'un, on peut voir ce que ce quelqu'un pense. Ils le haïrent davantage. Mais Joseph a été assez immature. Quand il a eu un deuxième songe, il a encore appelé ses frères et ses pères et mères pour le leur raconter. Mais bien-aimé, Dieu a pour chacun de ses enfants une destinée. Cependant, il ne vous demande en rien de faire campagne pour lui. En rien, il ne vous demande de faire campagne pour lui, mes bien-aimés.
La prophétie était déjà écrite, mais Dieu n'avait guère demandé à Joseph d'établir sa campagne de sensibilisation. Quand vous dévoilez votre itinéraire, mes bien-aimés, vous ne savez pas quelles sont les oreilles qui vous écoutent. Quand vous dites où vous allez et par où vous allez passer, mes bien-aimés, vous donnez à votre adversaire qui vous écoute l'occasion de préparer une bonne embuscade. La discrétion est signe de maturité, mes bien-aimés. Et c'est là, depuis les mauvaises attitudes du père de Joseph, l'aimant plus que les autres, le gâtant comme le dernier né de la famille, et montrant ses sentiments plus profonds pour son garçon, l'enfant lui aussi a eu des mauvaises attitudes. Non seulement il prenait le mauvais côté du comportement de ses frères, il rapportait leurs mauvais propos, mais il était aussi indiscret. Jésus lui-même, mes bien-aimés, ses frères lui ont dit, s'il veut paraître qu'il aille se tenir sur la montagne, c'est Joseph qui allait être épargné? Est-ce Joseph qui allait être épargné, mes bien-aimés? Le manque de sagesse et le manque de maturité peut nous porter à vivre des moments non souhaités, mes bien-aimés. Il y a une chose que j'aime beaucoup que je lis dans Proverbe. Même l'insensé, quand il se tait, il passe pour... Même l'insensé, quand il se tait, il passe pour sage. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une circonstance de la sorte. Une querelle. Querelle. Tout le monde parle. Dès qu'il y a quelqu'un qui se tient à l'écart et qui garde le silence, qui observe, il devient le juge. Tout le monde vient lui dire, qu'est-ce que vous pensez? C'est la pratique, mes bien-aimés. Même quand il ne sait quoi penser, il devient le juge parce qu'il s'est tu. Ainsi, mes bien-aimés, Joseph aurait eu moins de péripéties dans sa vie s'il n'avait pas dévoilé ce que Dieu lui avait montré en secret. Ce matin, nous devons demander à Dieu de nous donner sagesse et maturité dans notre vie. Non seulement dans nos vies personnelles, mais dans notre vie de famille. Nous savons qu'il est difficile de rompre avec les habitudes familiales, mes bien-aimés. Nous avons peur de perdre l'approbation de nos parents. Nous avons peur d'être traités comme cinquième colonne dans une famille quand nous changeons d'attitude, même quand l'attitude était mauvaise. Mais nous devons nous rappeler, dans toutes les circonstances de nos vies, quand nous voulons le bien, Dieu nous accompagne là-dedans. Et le psaume 68, le verset 6, nous dit que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés et il délivre les captifs et les rend heureux. Si vous avez peur de perdre une famille sur la terre, sachez que Dieu vous réserve une famille, mes bien-aimés. Et je sais que vous l'avez sûrement vécu. Les choses que vous devriez attendre de ceux qui sont sortis des mêmes entrailles que vous, vous les recevez ailleurs. Vous les recevez ailleurs. Dieu l'a fait ainsi, mes bien-aimés. Dieu l'a fait ainsi. On aurait tendance à croire que nos familles nous doivent tout, mais les familles ne donnent pas tout, mes bien-aimés. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi cette grande famille universelle. Quand la famille biologique fait défection, quand il y a quelque chose avec laquelle on doit rompre, mes bien-aimés, nous connaissons certes les conséquences du point de vue familial, mais Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. N'ayez pas peur de faire la volonté de Dieu contre la volonté de votre famille. Je sais que ces paroles sont dures, mais si vous les appliquez, votre relation avec Dieu va s'améliorer. Et c'est ce qu'il cherche chez nous, mes bien-aimés. N'oubliez pas la leçon du jour. Dans nos vies personnelles et dans nos vies de famille, nous demandons à Dieu sagesse et maturité. Que Dieu vous bénisse.
Mahalaleel. Mahalaleel. Nous allons nous mettre debout pour terminer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur, merci, merci Seigneur. Mahalaleel, Mahalaleel, proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.